manger et cultiver bio, c'est simplement aller vers le respect de l'autre, comme le respect de la terre qu'on cultive. C'est tout simple. Notre objectif, c'est de préserver à long terme les ressources, le sol, l'eau, l'air aussi. Et l'agriculture bio, c'est un moyen parmi d'autres, mais un moyen efficace de réduire l'impact, la pression sur les sols, de réduire les émissions polluantes. Pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça une agriculture aimante, où on aime le vivant, on aime la vie, et puis on fait pour faire que cette vie puisse être soignée et qu'elle soit, elle se porte bien. Ce qui est important, c'est ce moment de partage entre le consommateur et le producteur, ce que nous, on appelle l'agriculture de deux mains. Nous, on a une responsabilité par rapport à nos enfants, par rapport à cette planète. On a une responsabilité aussi de la qualité de la nourriture que nous voulons. Il ne s'agit pas de manger n'importe quoi. Et donc, toute cette traçabilité, toute cette amitié qu'on doit avoir avec ceux qui sont les producteurs de la nourriture, au fond, elle est essentielle. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible de manger autrement que bio. C'est une question de prix pour certains, mais qui est facilement contournable si on ne gaspille pas la nourriture.